Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo filmée avec mon téléphone. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ma caméra a un peu des problèmes. Je l'ai peut-être déréglé, quelque chose comme ça, il y a une couille. Donc bref, la qualité, je la trouve vraiment de plus en plus minable. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer avec mon téléphone. Parce que oui, j'ai jamais de problème avec cadrage, focus, etc. Lui, c'est toujours nickel. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de micro branché. J'espère juste que le son sera pas trop dégueulasse. Vous pourrez me faire des petits retours en commentaire, comme d'habitude, je lirai. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la période où j'ai eu le Covid en fait, parce que je l'ai dit à quelques personnes qui m'avaient posé la question sur Instagram, n'hésitez pas à les follow d'ailleurs, ça fait plaisir. J'ai chopé le Covid vers novembre. Je trouve que c'est important d'en parler, même si ça fait longtemps, tu vois, mais c'est un sujet quand même qui est toujours d'actualité, parce qu'il y a les gens qui se vaccinent, etc. Tu connais. On veut tous échapper à cette connerie, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler, même si je pense pas être la première personne à avoir dit qu'elle avait eu le Covid. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir eu. Alors comment ça s'était passé? Moi, je vais vous raconter comment je pense que je l'ai eu, même si j'ai toujours aucune confirmation à l'heure actuelle, parce que bah y a pas moyen de savoir quoi. J'étais parti chez un pote pour une petite soirée. On s'était retrouvé à 3. En fait, il avait invité deux potes à moi et moi, mais il n'y avait qu'un seul pote qui avait pu venir. Du coup, on s'était retrouvé à 3. Vous savez, les petits comités comme ça, je trouve que c'est les meilleurs bails. Après, il y a sa copine qui est rentrée parce que ils étaient ensemble. Donc, on a fait une petite soirée. On a joué des jeux de société. C'était grave lourd. Ça change des autres bails. Et on a bu un peu beaucoup, genre moi plus que mon autre pote qui lui est rentré chez lui, même si mon pote qui recevait lui buvait pas mal aussi. Donc bref, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas en état de rentrer chez moi en fait. Même si je prenais les transports, c'était quand même risqué. J'avais du mal à voir vraiment où je mettais les pieds, tu vois ce que je veux dire. Je voyais un peu trouble, je vacillais, j'étais pas stable du tout. Donc je me disais que c'était mieux de rester chez mon pote. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé d'ailleurs, je tiens à préciser. Ouais, même si de base, tu vois, bon, dans mon état un peu con, j'avais prévu de rentrer chez moi. Donc je suis rentré avec mon autre pote qui était venu et que lui n'avait pas du tout bu, donc il pouvait tranquillement rentrer chez lui. On s'est dirigé vers le tram, d'ailleurs sur le chemin j'ai perdu mon passe Navigo. J'ai honte maintenant. J'ai dû le perdre sur le chemin tellement j'étais bourré quoi. Du coup au final j'ai appelé mes parents pour leur dire que je dormais chez mon pote parce que c'était pas prévu en fait de base. Comment c'était chez mon pote? C'était un appartement 3 pièces. L'appartement de l'époque c'était 2 pièces, je sais pas. Enfin bref, j'ai dormi dans le salon, qui faisait aussi office de cuisine, qui faisait office d'entrée, enfin c'était un peu tout. Donc ils m'ont prêté un oreiller, ils m'ont prêté un matelas, franchement les meilleurs côtes. Hein. Sa copine elle recevait trop bien, mon pote il recevait trop bien, franchement j'ai trop bien dormi, ils m'ont mis bien quoi. Donc j'ai passé une nuit là-bas, je me suis réveillé là-bas, après je suis rentré chez moi, enfin tu connais. Et ce qui s'est passé, c'est que une semaine après cette petite soirée, mon pote a commencé à se sentir bizarre, mon pote a commencé à avoir des maux de tête, mon pote a commencé à avoir des maux de ventre. Et ce qui s'est passé, c'est que pas la semaine après la soirée, hein, la semaine après la soirée, il a préféré ne plus venir en cours parce qu'on nous avait mis en garde en nous disant que les personnes qui se sentent pas bien, vaut mieux rester, se faire tester et après éventuellement revenir. Il s'est fait tester donc 2 vendredis après la petite soirée et il avait été testé positif. Donc j'ai directement été contacté comme cas contact, mais ce qui s'était passé, c'est que moi, la semaine déjà où lui il est parti se faire tester, on savait pas encore s'il avait le Covid, moi j'avais des petites sensations bizarres, tu vois ce que je veux dire? Genre j'avais l'impression d'avoir la tête qui était gelée. L'intérieur de ma tête qui était complètement congelé, c'était inexplicable. J'avais l'impression que d'avoir froid juste à l'intérieur de ma tête. C'était une sensation bizarre, mais j'avais pas prêté plus d'attention que ça parce que ça me dérangeait pas tellement, tu vois. Mais je le sentais. Après, quand il m'a appelé vendredi pour me dire qu'il était positif et que j'étais susceptible d'être cas contact, j'ai compris. J'ai directement compris. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévenu mes parents. Ils m'ont isolé. Ouais, dans ce cas-là, si vous êtes cas contact, dites directement à votre entourage, la personne avec qui vous vivez, que vous êtes dangereux, clairement vous êtes dangereux. Et si vous avez la chance, isolez-vous. Donc on en est au vendredi où il m'annonce qu'il est cas contact. Donc directement je préviens mes parents comme j'ai dit. Et le lendemain, donc samedi, là je commence à perdre le goût. Vraiment, c'est vraiment d'un coup, tu vois, c'est en une nuit. Enfin non, samedi matin je me suis réveillé, j'avais encore le goût et l'odorat. Et c'est après au niveau du déjeuner que je me suis rendu compte que j'avais plus rien quoi. J'avais perdu le goût et l'odorat en quelques heures seulement. Donc le lundi d'après, bon j'ai galéré à avoir un rendez-vous parce qu'en fait ils prennent pas, même si t'es cas contact, il faut prendre un rendez-vous. Enfin le centre où je suis allé, il fallait prendre un rendez-vous même si t'étais cas contact. Donc j'y suis allé le matin, ils m'ont dit que non, il fallait prendre un rendez-vous. J'y suis retourné l'après-midi parce que j'avais réussi par miracle à avoir un rendez-vous entre temps. Et là on m'a dit bah ouais t'as le Covid. Enfin, on me l'a pas dit texto comme ça, en gros je me suis fait dépister, on m'a envoyé un mail pour me dire que ouais j'étais positif. J'avais le seum en fait, c'était chiant. Donc pendant toute cette période où j'ai eu le Covid, enfin en tout cas où j'étais pas négatif, ça a duré 3 semaines. Moi ça a duré 3 semaines. J'ai pas eu de souffrance, j'ai pas eu de maux de tête. J'ai vraiment, franchement le Covid pour moi c'était de l'eau, hein. C'était tranquille. J'ai juste perdu le goût et l'odorat en fait. Mais c'était limite plus chiant parce que je pouvais pas sortir, je pouvais pas voir mes proches, etc. Enfin, alors que je me sentais bien, c'est juste que je sentais plus rien et j'avais plus d'odorat. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période où en gros mes tests étaient positifs, parce que j'ai fait 3 tests avant qu'on me dise que j'étais négatif, j'avais pas le goût et l'odorat pendant 2 semaines. La semaine qui a suivi ces 2 semaines, j'attendais qu'on me dise que je suis négatif au Covid en fait, tout simplement. Parce que c'est au moment où j'ai perdu le goût et l'odorat,
figure-toi que je suis allé me faire tester. Au premier test, j'étais positif. Au deuxième test, j'étais positif. Et au dernier, j'étais enfin négatif. Mais apparemment, même si les symptômes disparaissent, il faut un tout petit peu de temps avant que tu sois testé comme négatif. En fait, que le virus soit complètement sorti de ton corps pour que réellement, au niveau du test PCR, après, on te dise que tu es négatif. Mais après, j'ai repris ma vie tranquille et récemment, je me suis fait vacciner une seule fois parce qu'au final, j'ai besoin que d'une seule dose. Maintenant que, enfin, comme j'ai eu le Covid, en fait, j'ai développé des anticorps. Donc, j'ai pas besoin de deux doses comme les personnes qui n'ont jamais eu le Covid. Moi, j'ai besoin que d'une dose. Donc, je me suis fait vacciner une fois avec Pfizer. Et du coup, maintenant, je suis tranquille. Voilà, juste pour vous dire que les gestes barrières, c'est important, ces conneries. Moi, j'aurais pas dû dormir chez un pote. Franchement, je pense que c'est ça, hein, parce que j'ai pas eu d'autres événements vraiment en société, on va dire. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Mais apparemment, même actuellement, en étant vacciné, il y a quand même risque d'attraper le virus. C'est juste que tu vas pas développer des symptômes graves, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux attraper le virus et tu peux le transmettre aussi à une personne qui n'est pas vaccinée ou une personne qui est vaccinée même. C'est juste que la personne qui n'est pas vaccinée risque de développer des symptômes graves et éventuellement la mort, alors qu'une personne pas vaccinée ne peut pas avoir ça. Donc vraiment cette petite vidéo pour dire faites attention, ne faites pas les cons, tu vois, respectez les gestes barrières, etc. Moi je vous encourage de ouf à vous faire vacciner. Je sais qu'il y a beaucoup de d'anti-vaccins. N'hésitez pas à débattre en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez à dire. Je sais que j'ai, enfin j'ai parlé à beaucoup de d'anti-vaccins que moi j'ai tendance à appeler complotistes pour le coup, parce que j'entends des théories qui sont vraiment, enfin, qui pour moi n'ont pas de sens. C'est mon avis perso, mais s'il vous plaît ne haïssez pas, c'est mon avis perso. On m'a parlé de mort programmée, on m'a parlé de stérilité future, on m'a parlé de fin du monde, enfin. J'ai entendu plein de choses, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du vaccin, si vous avez été vacciné, si vous avez attrapé le Covid, les trucs comme ça, ça m'intéresse de savoir. J'irai vos commentaires et évidemment, je répondrai, c'est intéressant. J'espère que cette petite vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss !